Le village doit être tout près. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Hugo ? Hugo ? Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillée. Eh ben, on lui dira pas quand on la verra, d'accord ? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Amicia, pourquoi ils veulent nous attraper ? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman ? Oui. On fera ça. Où sont passés les gens ? Une amulette. Oh, maman m'en avait donné une. Ah, moi aussi. Quelqu'un a dû la perdre, on peut la prendre, je pense. Elle pourrait nous aider. On sera protégés comme ça. Oh, des pommes. Hugo, c'est pas le moment. Mais... Ne touche pas. Tout est pourri. Mais j'ai faim. Comment tu peux penser à manger ? Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. S'il vous plaît, attendez. Madame ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Elles ont eu peur. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. Il y a quelqu'un. Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. On est mouillés et on a faim. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Personne ne veut nous ouvrir. Qu'est-ce qu'ils ont tous ? S'il vous plaît, quelqu'un pourrait nous aider ? Allez-vous-en ! On veut pas de vous ici ! Mais je suis la fille de votre seigneur ! C'est pas vrai. Il se cache. On a trop attendu. Il faut qu'on parte d'ici, je te dis. Et pour aller où ? Il y a quelqu'un. On viendra plus tard, quand ça ira mieux. Mais on sera mort avant que les choses aillent mieux. Ça suffit. Je veux plus en parler. Il y a quelqu'un. Il y a rien pour vous ici. Fichez le camp. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Moi, j'aime pas cet endroit. C'est du savon ? Ne touche pas, Hugo. Laisse.
Oh, regarde, des dessins sur les portes. Reviens. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien. Ah, et ils n'ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui, pardon. Amicia, les pommes sur un arbre, c'est à tout le monde ? Au point où on en est, je crois que oui. Oh, merci. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'il se cache. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête ? Ça ressemble pas à une fête. Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi ? Non ! Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein ? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort. Et je vous le dis, c'est le dernier village que vous infectez. Amicia ! Viens vite ! Qu'est-ce qui se passe, Amicia ? Par le parcours ! Mais pourquoi ils sont en colère ? Ils vont nous brûler, nous aussi ? Il faut qu'on se cache, Amicia ! Lucie, à l'intérieur, vite ! C'est calme, ici. Il va nous voir. Ne bouge pas. J'ai plus qu'à attendre qu'il se pointe. Je pourrais pas les rater. C'était quoi ce vacarme ? Allez ! Chut ! Chut ! C'est bon, on y est. On l'a bien eu. Où est-ce qu'on va ? Hugo, cours aussi vite que tu peux ! Là, le mur ! Ils arrivent ! Vite, vite ! Où est-ce qu'on va, bordel ? Ici, dans un trou ! Mais qui fait ? Laisse tomber ! On n'aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça ? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. On va la pousser. Oui. Bien, on peut grimper dessus maintenant. La tâche a l'air fragile. Mais ça va faire du bruit, non ? T'as une meilleure idée, peut-être ? On va pousser ça. D'accord. Viens, je vais te faire monter. On s'en est sorti. On va partir d'ici alors. S'ils nous retrouvent pas d'ici là. Mais t'as la fronde, tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. Des étrangers ! Non, vite ! L'échelle, vas-y, grimpe, passe devant ! Elle a pas l'air solide, Amicia ! On n'a pas le temps, ils arrivent ! Elle va casser ! Non ! Oh ! Je te l'avais dit ! Hugo, où est-ce que tu vas ? Me laisse pas ici ! Amicia, viens ! Sur le côté ! Oh, tu es là !
J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée. Je vais la faire tomber. Fais attention. Allez, allez. Tiens. Bravo. J'ai eu peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurentius. Amicia, cachons-nous. Alors, ils sont passés où? Conrad, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là, il y a 5 minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux? C'est quoi cette blague? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles. Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer. Ils sortiront pas d'ici vivants. On y va. Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse à des gamins. Alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal, une fillette et un enfant ici par les temps qui courent? Sûr qu'ils sont sortis de l'église avec le reste de cette pourriture. C'était quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Oh non, encore eux! C'est par où? Je sais pas! Il n'y a aucune issue! Oh non! Vite, s'il te plaît! Je sais! On va les retenir longtemps. Vite, vite! Ils savent qu'on est là! Non, elle est bloquée! Hugo, passe par là! Ouvre-moi! Hey, d'accord. Qu'est-ce que vous foutez tous ici? Ils ont coincé une planche! Tu peux l'enlever? Robert, fais vite! Vite, Hugo, je t'en supplie! J'arrive pas! Hugo, il est là! J'arrive! Hugo, fais quelque chose! Je dois m'arrêter, Amicia. Continue, Hugo. Encore un tout petit effort. Une impasse. C'est la fin. Par ici, vite. Vous n'avez rien à craindre. Entrez. Chut, Seigneur. C'est le coin le plus infecté du village. Ils sont où? On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous, dans un coffre. Vous êtes sûr? Merci. C'est mieux. Et toi? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête! On va se faire attraper! Hugo! On fera ce qu'elle a dit! Ne discute pas! Hugo, attends! De l'encens. Le même que Mère utilisait.
C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh, je m'appelle Clairvy. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici ? Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants sont... Mais où sont vos parents ? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur ? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi ? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvy, alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Oh, tu vas en avoir besoin, mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien, j'ai le cuir. Il manque plus que les outils. Voilà les outils. Bon, au travail maintenant. Allez, applique-toi, Amicia. C'est mieux. Avec de bons matériaux comme cela, je pourrais l'améliorer encore. Parfait. Il faut que j'aille remercier Clairvy. Ah. Alors ? C'est bien mieux. Merci, Clairvy. Merci pour tout. Tu sais que vous les avez perdus ? Ouais. Chut. Ils font pas de vieux os, si tu veux mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Lâche ce maillet ! T'es idiot ou quoi ? Je suis pas idiot ! Ne crie pas ! Les enfants ! Ne faites pas de bruit ! Je veux voir maman ! Tais-toi ! Tu vas nous faire tuer! Maman, elle nous protégerait! Ça suffit! Je veux voir maman! Maman est morte, Hugo! Tu la reverras jamais! Papa non plus! Amicia! Tu mens! Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi! Menteuse! Menteuse, je te déteste! Arrêtez! Hugo, non! Hugo, attends! Ne sors pas, tu es fou! Hugo, reviens! Oh, c'est pas vrai? Où est-ce, bordel? Oh non, il va nous faire tuer! Hugo, je t'en supplie! Je suis désolée, arrête-toi! Mon Dieu! Oh Seigneur! Hugo! J'aurais pas dû crier! S'il te plaît, écoute-moi! Je suis désolée! Oh non! 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 Non, lâchez-le! Lancez l'acte! Non, attendez, on veut juste s'en aller! Tu vas... Oh. Je voulais pas! On attend juste ta sœur. Oh mon Dieu! Amicia! Amicia! Moi, tu ne m'enterreras pas! Je vais commencer par toi! Pourquoi non. Il a fallu vous venir J'ai... ici? Hein? Obligez pas à faire ça! Pour
Tu as ça en toi. Bien, ça va m'aider. Oh, j'ai pas peur. Je vais te montrer ce que c'est de perdre ce qu'on aime. L'un de nous va mourir. Le vainqueur sera en état. Continue. Seule la mort me désarmera. C'est fatigué. Finissons-en. C'est comme ça que tu comptes me tuer? Amicia, tu l'as tuée.